je fais le régime du camp, c'est génial. Ah bah ouais, génial, hein. Bouffer de la viande des grisons et du son d'avoine au petit-déj, tout ça pour puer de la gueule toute la journée. Ouais, tu vas perdre 10 kilos, mais t'auras un cancer du rein, c'est cool. T'as déjà essayé Weight Watchers? Mais qu'est-ce que j'en ai foutu? Eh, hey, mais dis donc, t'as pas perdu du poids? Ouais, c'est vrai. Mais apparemment, tu l'as retrouvé, toi, non? Mais quelle bande de grognasses! T'as déjà essayé la chrononutrition? Je suis en pleine cure détox. Je ne mange que du raisin. C'est pour purifier mon organisme. Ah, moi, je préfère rester impur. Vous proposez pas un profond? Attends, le gluten, le glutamate et l'aspartame, c'est hyper dangereux. Et le sel aussi. Ça fait du bien un petit 4 heures. Tu m'étonnes. J'adore les brocolis. Je pourrais en manger tout le temps. Elle m'énerve. Et puis cru, c'est meilleur. Parce que tu gardes les vitamines. Mais tu me forces. Et t'as déjà essayé, toi, le régime de Dr Schmulbuck? Mais j'en ai marre qu'on me dise que j'ai un beau visage. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise que j'ai un beau gros cul. Non, oui, mais en même temps, t'as fait des beaux gros nichons, hein. C'est vrai, ça. Le problème dans un régime, c'est que ce que tu perds en premier, c'est les seins. Alors, cette diététicienne? Ouais, ouais, elle est sympa, mais mais elle est grosse. Non, mais tu sais, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Non, mais c'est pas crédible. C'est comme, je sais pas, une coiffeuse mal coiffée. C'est comme une styliste habillée comme un sac. Comme un acteur porno avec un micro-pénis. Salut, à part le film.